parler de ce thème qu'est la prière. Et j'ai intitulé ce message « Car il prie ». Pourquoi « Car il prie » ? Parce que je pense que les ressources et les bénédictions sont dans la prière. Je vous invite à lire dans Actes chapitre 9, versets 11 et verset 12. Ce que nous dit le Seigneur, dites-vous que le culte est là pour au moins 12h30. Manière, vous restez 2 heures à parler dehors. Donc. Car il prie, Actes 9, versets 11 et 12. Voilà ce que le Seigneur nous dit, et le Seigneur lui dit. Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Il a vu un homme en vision qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Et évidemment, l'homme dont il s'agit là, c'est l'apôtre Paul, dont Ananias va lui imposer les mains pour pouvoir donc avoir donc la possibilité de voir. Alors, je voudrais voir 3 points avec vous. C'est le premier s'intitule le manque de prière, qui est une cause de léthargie spirituelle. Le deuxième, l'exemple justement de Paul, car il prie. Et le troisième point, prions davantage. C'est une petite exhortation. Avec plus de foi. Priez davantage, mais avec plus de foi. Et je continue l'introduction en disant que, certes, frères et sœurs, on a déjà énormément écrit, prêché, médité, exhorté sur le sujet de la prière, ou même au sujet de la prière. Donc la question, c'est quels sont donc les résultats effectifs de tant d'exhortations dans nos vies individuelles, dans nos maisons et dans nos réunions, donc dans notre église. Quels sont les résultats? La question nous est posée et je pense qu'il s'agit pour chacun d'entre nous de trouver la réponse à cette question-là. Premièrement, donc, le manque de prière cause de léthargie spirituelle. La léthargie, c'est le sommeil. On est endormi. Alors, il est évident comme quoi que de nos jours, dans les églises et même dans le monde, mais en particulier dans nos églises, On déplore la ruine qui existe dans le monde. On se dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce que le monde peut arriver à un état de d'injustice, d'immoralité, de cupidité, de méchanceté? Qu'est-ce qui fait que cette situation existe? Parce qu'on constate avec beaucoup de douleur et beaucoup de peine, frères et sœurs, et très souvent parfois avec étonnement, que pour qu'une âme se convertisse, eh bien il faut, frères et sœurs, je ne sais combien, mais combien de prédications, combien d'exhortations personnelles. Alors on entend dire souvent, dans la bouche des chrétiens, le monde envahit l'église. On entend dire souvent, dans la bouche des chrétiens, la vie spirituelle s'étiole, ça se dégrade. On entend souvent dire dans la bouche des chrétiens que l'amour se refroidit. On entend souvent dire dans la bouche des chrétiens que la tiédeur gagne chaque jour de plus en plus de terrain dans ce monde, dans l'église et dans les cœurs des croyants. On va se poser des vraies questions. À quoi donc attribuer cette défaillance, justement, spirituelle? Premièrement, est-ce à la persécution? Frères et sœurs, je me dis, des fois je reste ici, là, dans l'endroit où je me trouve, et je médite, je réfléchis, je prie, et je loue Dieu. Parce que je me dis que nous n'avons jamais été aussi tranquilles. Personne ne nous empêche de prier. La preuve, nous prions partout. Frères et sœurs, on n'a jamais été aussi tranquilles, en tout cas, en ce qui concerne nos pays, en Occident, frères et sœurs, l'Europe, les Amériques, Nord, Centre, Sud, les Antilles, le pays Martinique. On n'a jamais été aussi tranquille. Personne ne nous trouble. Personne ne nous empêche de faire quoi que ce soit. Personne ne nous empêche de chanter. Personne ne nous empêche de prier. Personne ne nous empêche de nous réunir, frères et sœurs. On n'a jamais été aussi tranquille. Donc à quoi, justement, attribuer cette déficience spirituelle? Est-ce au manque de nourriture spirituelle? Frères et sœurs, nous sommes parvenus à une époque de grande richesse sur ce point de vue-là.
concernant la nourriture spirituelle, la prédication de la parole de Dieu. Félicien, il n'a jamais eu autant de spécialistes de la prédication de la parole de Dieu, du message évangélique, du message biblique que de nos jours, Félicien. Il y a toutes sortes, il y a des pasteurs, des docteurs, il y a toutes sortes de personnes, Félicien. Nous avons des méditations qui pullulent, frères et sœurs, dans le monde, sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Frères et sœurs, partout on prêche, partout on exhorte, partout on édifie les études bibliques et les commentaires de la parole de Dieu. Frères et sœurs, les messages d'exhortation, d'encouragement, de consolation chrétienne, de tout genre, sont à la disposition de quiconque se donne la peine d'en profiter. Est-ce que c'est un manque de nourriture? Non. Il y a la nourriture, frères et sœurs. Est-ce que c'est la persécution? Non. Ce n'est pas un problème de persécution. Troisième question qu'on peut se poser. L'Esprit de Dieu n'agit-il plus comme autrefois? Les frères et sœurs, les promesses faites dans la parole de Dieu n'ont-elles plus cours dans les temps actuels, dans les temps présents, frères et sœurs? Vous savez, le simple fait de soulever ces questions, il répond déjà. Comment Dieu peut-il changer? Puisque Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé. Et Dieu continue à faire des miracles. Amen. Dieu continue à faire des miracles. Donc, est-ce que l'Esprit de Dieu n'agit plus, frères et sœurs, comme autrefois? La question est, bien sûr que la parole de Dieu a son efficacité. Bien sûr que la puissance de Dieu agit encore dans le monde à la question que nous nous posons. Une autre question, serait-ce enfin le manque de vie, le manque d'amour et de fruits de l'esprit en général? C'est bien un peu cela. Manque de vie. Manque d'amour et de fruits de l'esprit en général. C'est bien un peu de cela, frères et sœurs. Et par là, nous arrivons à la véritable raison de la léthargie du sommeil spirituel dans tous les domaines, frères et sœurs. La véritable raison de cette léthargie, ce sommeil spirituel, c'est le manque de prière. C'est le manque de prière, frères et sœurs. D'ailleurs, un collègue à moi disait dans l'un de ses sermons, il a dit, si vous voulez connaître la véritable église, ne venez pas le dimanche matin, venez à la réunion de prière. Le manque de prière, frères et sœurs. Pourquoi y a-t-il si peu d'amour pour le Seigneur et entre croyants? Pourquoi, frères et sœurs? Pourquoi si peu de compassion pour les âmes qui s'en vont à la perdition? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Pourquoi si peu de fruits manifestés dans la vie des croyants? Pourquoi le monde a-t-il pénétré nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons, mais même dans l'église, frères et sœurs? Pourquoi ce manque de joie, ces fronts soucieux que nous voyons au quotidien, ces visages sombres? Pourquoi? Le manque de prière. Le manque de prière, le manque de vie avec le Seigneur. Frères et sœurs, parce que nous ne prions pas assez. Et si nous prions, nous ne prions pas comme on doit prier. Et Jacques aborde ce sujet en disant comme quoi qu'il y a des gens qui prient, il y a des gens qui demandent, ils demandent mal. Donc si on demande mal, c'est qu'on prie mal aussi. Et il dit, comment est-ce qu'on fait qu'on peut définir une prière qui est une mauvaise prière? Une prière qui est une mauvaise prière, ce n'est pas une prière où il manque des mots de littérature, des beaux mots, des belles phrases, etc. Ce n'est pas ça une bonne prière. Une prière justement qui est mal faite, c'est une prière qui est faite pour satisfaire ses ambitions personnelles. C'est une mauvaise prière. Et les gens demandent voiture, ils demandent maison, ils demandent femme, ils demandent mari, ils demandent possession, ils demandent voyage, ils demandent toutes sortes de choses. Mais ils ne demandent pas à Dieu de leur donner un cœur pieux, de leur donner de la foi, de leur donner ce qui équivaut à un vrai disciple de Jésus-Christ. On demande mal. Donc si on demande mal, on ne reçoit rien. Ce n'est pas qu'on reçoit mal, on ne reçoit rien. Parce qu'on n'a rien demandé. Le Seigneur dit qu'on croit qu'on prie, mais pour satisfaire nos propres ambitions personnelles, nos propres désirs, nous sommes égoïstes. Et nous ne pensons qu'à nous-mêmes. On voit des pieds, des fois quand on dit aux gens, louez le Seigneur, prenez un moment pour louer le Seigneur, pour dire merci au Seigneur. Ils disent, Seigneur, oui, je te demande de ceci, je te demande cela. Ils ne louent pas le Seigneur, ils demandent. Il ne pense qu'à eux. Seigneur, donne-moi la santé. Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, donne-moi une maison. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. À aucun moment, il dit, Seigneur, je te bénis parce que je t'aime. Amen. Comment pense que ça veut dire, la louange? La louange, c'est un moment où on ne pense pas à soi. On pense à Dieu. L'adoration, c'est un moment où on ne pense pas à soi. On pense à Dieu. Amen. Les moments où on pense à soi, c'est les moments de requête. Seigneur, je te présente
ma requête. Je te présente mes besoins. Voilà ce que le Seigneur a dit de demander. Oui, dans ces moments-là, nous demandons. Mais quand on dit louer le Seigneur, louer le Seigneur. Quand on dit adorer le Seigneur, adorer le Seigneur. Arrêtez de penser à vous. Jacques dit comme quoi que l'on prie mal parce qu'on ne pense qu'à nous-mêmes. Et vous dites, si vous ne pensez qu'à vous-même, vous ne pensez pas à Dieu, donc vous ne vous adressez pas non plus à Dieu. Vous dites, sœurs, on prie mal, ou si on prie vraiment mal, et on prie mal tant personnellement que collectivement des fois. Le croyant ne prie pas, et les églises non plus ne prient pas comme elles devaient prier. On organise des concerts, on organise des galas. On organise des spectacles sous couvert d'appellations spirituelles. Un concert spirituel. Vous avez déjà vu un concert spirituel? Comment un concert peut être spirituel? Comment vous savez qu'un concert est spirituel? Avec qui vous êtes dans la salle, dans le concert? Vous connaissez la vie des musiciens qui sont sur le podium? Comment un concert peut être spirituel? Alors vous allez me dire parce qu'il y a des chants spirituels. Vous allez me dire parce qu'on prie avant le concert. Parce qu'on prie pendant le concert, on prie après le concert. Mais dites-moi, combien de conversions comptez-vous après vos concerts, vos spectacles et vos galas? Est-ce qu'il y a une seule personne ici qui s'est convertie après un concert? Et les gens qui nous regardent sur Internet, je leur pose la même question. Est-ce qu'il y a une seule personne sur Internet qui nous écoute en direct là, qui peut me dire, pasteur, je me suis converti après un concert? Monsieur, vous êtes dans un concert, vous avez toutes sortes de personnes. Vous commencez comme quoi quand vous faites un concert, et puis à la porte, vous allez dire aux autres, vous êtes converti, vous êtes évangélique. Si vous êtes évangélique, entrez. Vous êtes converti, vous êtes évangélique, vous n'êtes pas évangélique, restez dehors. Vous ne pouvez pas faire ça. Parce que votre but, ce n'est pas qu'il y ait des évangéliques, c'est que vous vendez plus de billets que possible. Donc le concert ne peut pas être spirituel parce que le but, c'est de vendre des tickets. Le but, c'est de faire de l'argent. Et les gens me disent, oui, c'est pour le Seigneur qu'on le fait. Bon Dieu, mandé on fait concert. Vous avez déjà vu dans la Bible, un endroit, Dieu nous dit de faire des concerts. Si quelqu'un trouve ça, qu'il me le montre. Et on tombe dans des choses comme ça. On fait des concerts, on fait des spectacles, on fait des choses qui n'ont rien à voir avec le but, la mission que le Seigneur nous a donnée. La mission que le Seigneur nous a donnée, la seule mission que le Seigneur nous a donnée, c'est de porter sa parole. Voici, je vous envoie dans le monde comme des brebis parmi des loups. Le Seigneur ne nous demande pas de nous conformer avec les gens de ce monde. Ne vous conformez pas au monde. Mais c'est quand vous êtes dans une salle de concert. Vous avez toutes sortes de personnes dans la salle de concert. Vous avez des croyants, vous avez des incroyants, vous avez des impies, vous avez toutes sortes de personnes. Et vous êtes en train, vous savez que si vous avez des croyants, les croyants sont habités par l'Esprit de Dieu. Si vous avez des gens qui ne sont pas des croyants, ils sont habités par un autre esprit. Et quand vous priez avec ces personnes-là, généralement, on dit, tenez-vous la main pour que nous puissions prier, nous sommes unis, alléluia, Dieu bénisse la Martinique, Dieu bénisse la France, nous sommes unis. Vous êtes unis avec qui? Vous n'êtes pas unis avec le Saint-Esprit. Et le fait que, vous savez comme quoi, que la possession démoniaque, c'est pour ça que le Seigneur dit, ne pose pas les mains avec précipitation. Et j'évite les croyants, donc arrêtez cette histoire-là avec ces évangiles de prospérité, où ces gens aiment imposer les mains à tous ceux qui viennent. Parce que quand vous imposez la main à quelqu'un, vous transmettez à la personne ce que vous avez. Si vous avez le Saint-Esprit, vous lui transmettez la puissance du Saint-Esprit. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous lui transmettez aussi tout ce que vous avez dans votre corps. Combien de personnes sont venues déjà dans ce nuage ou pavillon et possédées? Et quand je leur dis, où vous étiez? Dans un concert! On leur a imposé la main. Et quand on ne leur a pas imposé la main, ils se sont tenus la main. Vous ne savez même pas qui est à côté de vous. Vous ne savez même pas qui est à côté de vous. Et comme vous ne savez pas qui est à côté de vous, vous ne savez pas que ce que la personne a en elle. Et quand vous tenez la personne, vous faites une transmission. Ce que vous avez, vous donnez à la personne. Mais si vous êtes un chrétien charnel, la personne a ses affaires, la personne vous donne ce qu'elle a aussi. Vous ne comprenez pas les choses, parce que nous sommes dans un temps de guerre. C'est une guerre spirituelle. C'est une réalité, frères et sœurs, qu'on voit que Satan est déchaîné. Et Satan va forger des plans. Il va donner ça, une couche de vernis spirituel pour faire croire aux chrétiens qui sont dans le spirituel alors qu'ils sont dans le charnel. Si ce n'est pas le diabolique. Force est de constater que les rares prières qui sont exprimées sont souvent des prières formalistes, des prières sans vie, des prières sans ferveur. Elles résultent d'un simple devoir, d'un simple rituel. Quand quelqu'un prie, ce n'est pas une récitation qu'elle fait. La personne dit ce qu'elle a dans le cœur. Seigneur, j'ai mal,
Je te demande de me bénir parce que j'ai mal. Seigneur, je ne me sens pas bien. Seigneur, je te demande de me bénir parce que je ne me sens pas bien. Ce n'est pas je vous salue, Marie, pleine de grâce. Ça, ce n'est pas la prière. Ça, c'est une récitation. Je crois en Dieu. Ce n'est pas ça la prière. D'ailleurs, la personne qui a écrit ça, je ne sais pas si elle-même croyait en Dieu. Parce que quand on croit en Dieu, on ne s'agenouille pas devant un morceau de bois ou devant une statue pour pouvoir prier Dieu. Deuxième exemple. Deuxième point. L'exemple de Paul. Qu'est-ce que Dieu dit dans Actes 9, au verset 11? Il est dit, voici, le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse, car il prie. Quand vous êtes dans vos maisons, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez la télé. Quand vous êtes dans vos maisons, qu'est-ce que vous faites? Vous dormez. Or, le Seigneur nous dit, ce n'est plus le moment de nous endormir, c'est le temps de se réveiller. Nous devons nous mettre en prière, vos sœurs. Nous devons prier pour Ajoubabuyo. Nous devons prier pour Bassouine. Nous devons prier pour le Loré. Nous devons prier pour le Monde Rouge. Nous devons prier pour la Martinique. Nous devons prier pour la France. Nous devons prier pour le monde entier. Nous devons prier. Ce que le Seigneur nous dit, car il prie. Et de tous les chrétiens du passé, celui qui a laissé la plus profonde impression de piété, de consécration, d'abnégation, c'est bien l'apôtre Paul. Ne disait-il pas de lui-même, poussé par le Saint-Esprit de Dieu, dans 1 Corinthiens 11, au verset 1er, il dit, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. » Qui priait plus que Christ? Personne. Parole de Dieu nous dit que Christ priait des nuits entières. Il faut que nous ayons des chrétiens qui apprennent à prier des nuits entières pour l'Église, pour les familles, pour le monde. Nous passons des nuits entières à regarder la télévision. Nous passons des nuits entières à aller au cinéma parce qu'il y a une série de films à la chaîne qu'on va montrer. Nous sortons là à minuit, à 1h du matin, à 2h du matin. Nous passons. Le Seigneur nous dit de prier sans cesse. Dès qu'on s'est agenouillé, Seigneur, je te demande de... Ah mais là, Seigneur, je suis fatigué, je vais dormir. Prier sans cesse, c'est pas ça. Prier sans cesse, c'est mets-toi à genoux. Prier jusqu'à ton genou avant mal. C'est ce que ce sont ces intercesseurs que Dieu a besoin. Dieu a besoin de ces intercesseurs-là. Dieu veut que nous puissions prier et prier et prier encore. Le Seigneur nous dit, soyez donc les imitateurs de l'apôtre Paul. Parce que Paul imitait Jésus-Christ. Et nous devons imiter ces hommes-là. Les chrétiens qui aiment dire, c'est Christ que je suis. Ça belle hein, de dire ça. Ah, si Jésus m'a qu'à suivre. Vous suivez Jésus, mais vous ne faites pas comme Jésus. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il priait des nuits entières. Tout ce que Christ avait à faire, il priait. Cherchez une femme, priez. Cherchez un mari, priez. Cherchez un travail, priez. Cherchez une église, priez. Cherchez un conseil, priez. Tout ce que vous avez à faire, priez. Priez sans cesse. C'est ce que Christ dit. Et quel était donc le secret de la force de l'apôtre Paul, vos sœurs? La prière. Il priait. La première chose qu'il a fait après sa conversion, c'est prier, vos sœurs, nous dit la parole. Ensuite, ne le voyons-nous pas tout le long, vos sœurs, de sa carrière, vivre une vie de prière en continu? Tout le temps, vos sœurs, c'était le cas. Il suffit de lire, de relire ses épîtres pour s'en persuader. Y a-t-il aussi un apôtre qui exhorte autant les autres à prier? L'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il dit « Priez sans cesse, priez sans cesse ». Et dans 1 Timothée 2, verset 1er, il dit « J'exhorte donc avant tout à faire des supplications, des prières pour tous les hommes ». Je ne demande de prier pour tous les hommes. Je ne demande pas de sélectionner les personnes pour lesquelles nous devons prier. Je lui dis de prier pour tous les hommes. Nous devons prier pour les bienfaiteurs. Nous devons prier pour les présidents. Nous devons prier pour les malfaiteurs aussi. Oui. Si vous ne priez pas pour les malfaiteurs, comment ils vont se donner au Seigneur? On prie pour les gens qui nous font du bien. C'est bien. Mais on doit prier aussi pour les gens qui nous font du mal. On doit prier pour les mauvais sujets, comme on dit en Martinique. Et il y a beaucoup de mauvais sujets autour de nous. Et en Martinique, quand on dit mauvais sujet, c'est pas un sujet qui est cassé, hein, c'est pas un sujet. C'est une personne, une mauvaise personne. C'est un mauvais sujet. Et Dieu nous dit, priez pour les mauvais sujets aussi. Priez pour tout le monde, c'est ce qu'il est dit dans ce texte-là. Dieu nous dit, je vous exhorte à prier pour tous les hommes. On ne doit pas sélectionner. On a un bon patron, on prie pour le patron. On a un mauvais patron, on prie pour le patron. On a un bon voisin, on prie pour le voisin. On a un mauvais voisin, on prie pour le voisin. On a une soeur, un frère, je ne sais pas qu'on ne supporte pas. On prie pour ce frère, pour cette soeur. On ne demande pas aux gens d'éviter la sœur ni le frère.
On prie pour cette personne. Parce que Dieu a le pouvoir de changer les cœurs des gens. Alors je vous affirme que Dieu répond à la prière, vos sœurs. Comme le témoigne David, bien avant l'apôtre Paul, dans le psaume 34, au verset 57, David écrit, « J'ai cherché le Seigneur, et il m'a répondu. » J'ai cherché le Seigneur, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sort de toutes ses détresses. Dieu répond aux prières. Alléluia. Oui, Dieu répond aux prières. Frères et sœurs, nous avons tous à divers degrés de préoccupations, des soucis, des problèmes, des questions parfois, voire très souvent, qui sont sans réponse immédiate. Et pour certains, l'horizon est complètement obscurci. L'horizon est sombre. Mais Dieu répond aux prières. Amen. Dieu répond aux prières. Frères et sœurs, quand ils regardent en eux-mêmes, ils sont comme dans une prison. Comment s'en sortir? Eh bien, les psaumes nous viennent en aide. Lisez, méditez les psaumes. Avec les mots de ces prières, vous pouvez vous aussi exprimer votre tristesse, votre découragement, votre angoisse, votre détresse, votre péché aussi. Osez parler à Dieu et lui dire tout. Osez le faire, frères et sœurs. Non pas des récitations, mais des pensées profondes de votre cœur. C'est ça la prière. Dieu voit vos larmes. Dieu entend vos cris. Dieu entend vos supplications. Et Dieu vous dit, justement dans le psaume 50, au verset 15, « Invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. » C'était l'expérience du roi David. Ce fut l'expérience aussi de l'apôtre Paul. Et aussi, ça a été l'expérience de beaucoup, beaucoup de croyants, jusqu'à la journée où on vous parle, là, à cet instant. Leur témoignage nous encourage à nous approcher aussi de Dieu, par la prière et avec foi. Hébreux 11, verset 6, nous dit que « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Dieu récompense ceux qui le cherchent. Et Dieu vous répondra, et vous pourrez aussi en rendre témoignage autour de vous. Dieu est plein de compassion. Et la parole de Dieu nous dit comme quoi qu'il y a un homme, Ananias, il était là serviteur de Dieu. Et dans Actes 9, versets 11 et 12, on a lu tout à l'heure une partie, une portion de ce texte. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, cherche dans la maison de Judas un homme Saul de Tarse qui s'appelle Saul de Tarse. Et il prie, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui rentrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Dieu répond aux prières. Paul est en train de prier, il est aveugle. Il demande au Seigneur de lui faire grâce. Et Dieu va dépêcher quelqu'un. Dieu va prendre quelqu'un pour aller vers Paul, pour lui donner la délivrance. Et de la même manière que Dieu, il a pris quelqu'un pour envoyer vers Paul parce qu'il priait pour le délivrer, Dieu va envoyer quelqu'un pour vous délivrer parce que vous allez prier aussi, comme l'apôtre Paul. Amen. Dieu est tout proche de ceux qui s'attendent à lui. Et sa présence change toute leur journée. La présence de Dieu change nos vies, frères et sœurs. N'oublions pas de le remercier, de le chanter, chanter ses louanges. N'oublions pas de le remercier, de l'adorer, adorer sa personne. Parce que Dieu seul est digne d'adoration. C'est le message de Dieu pour nous au travers de l'expérience de l'apôtre Paul et des écrits du psaume. Troisièmement, prions davantage. Mais prions avec beaucoup de foi, beaucoup plus de foi. Et dans l'histoire de l'Église, frères et sœurs, tout réveil individuel ou réveil collectif a été précédé d'un temps spécialement consacré à la prière. Ne l'oubliez jamais, frères et sœurs. Toujours. Chaque fois qu'il y a eu un réveil, c'est parce qu'il y a eu au moins une personne qui s'est mise à genoux pour prier. Et Dieu a fait le réveil. Voulons-nous réveiller la Martinique de sa tiédeur? Le monde de sa tiédeur. Dieu nous dit, priez, priez. Désirons-nous voir l'Esprit de Dieu agir avec puissance dans notre Église? Désirons-nous voir les âmes se convertir, les croyants, justement, être éclairés et être zélés pour Dieu? Prions. C'est ce que Dieu dit. Désirons-nous voir au milieu de nous plus de zèle pour le Seigneur, plus d'affection fraternelle et plus d'amour pour les pécheurs perdus, frères et sœurs, et même plus d'amour les uns pour les autres? Prions. C'est la prière. Dieu dit,
prier. Alors ne nous contentons pas, frères et sœurs, d'écouter passivement les exhortations ou un tel message sur la prière. Nous ne devons pas être passifs. Nous devons être actifs. Avec la force du Seigneur, comptons sur ses promesses, avec foi, avec ferveur, et mettons en pratique ces exhortations, frères et sœurs, parce que nous sommes saisis là par l'Esprit du Seigneur, et l'Esprit du Seigneur veut nous communiquer un esprit de prière. Nous avons besoin de ça. La misère spirituelle et morale est due au manque de prière. Il n'y a pas d'autre solution. Seul dans notre retraite, nous devons apprendre à prier avec persévérance. Non pas deux petites minutes de prière, non pas quelques secondes de prière. Il y a des chrétiens qui battent des records de la prière courte. Seigneur, je te demande au nom de Jésus. Amen. Je vous dis, il y a des chrétiens qui ont battu des records dans la durée, la longueur de la prière. Seigneur, oh Seigneur, Dieu sait toutes choses. Amen. Mais si, Dieu sait qu'il sait toutes choses. Mais Dieu nous dit, demandez. Dieu nous dit de demander et alors vous recevrez. Parce que Dieu sait que vous avez besoin de quelque chose, que vous n'avez pas demandé à Dieu ce que vous avez besoin. Dieu vous dit de le faire. C'est un ordre de Dieu, frères et sœurs. Et nous devons obéir aux ordres du Seigneur. Retrouvons-nous régulièrement, deux ou trois, pour prier ensemble. Enfin, dans nos réunions, apportons cet esprit de prière en plus de vie, plus de réalité, plus de participation. Nous devons être plus présents dans les moments de prière que dans d'autres moments. Parce que dans la prière, c'est là que la guerre se passe. C'est là que les victoires se donnent, dans les moments de prière. Prenons par exemple la ferme résolution devant le Seigneur de prier une fois par jour pour une personne que nous savons ne pas encore appartenir au Sauveur. Prenons la ferme résolution de prier par exemple pour un croyant ou une croyante, frères et sœurs, quelqu'un qui peut-être a des difficultés à vivre sa vie d'église, à vivre sa vie spirituelle. Frères et sœurs, prenons l'engagement pendant une semaine de prier pour une personne tous les jours. Au lieu de dire le frère est insupportable, la sœur est invivable. Le frère ne prend pas de réglage. La sœur est déréglée. Priez, bail. Parce que tout le monde voit qu'il ne prend pas de réglage. Tout le monde voit qu'il est déréglé. Ce n'est pas une révélation que vous avez. Parce que c'est vu. Priez, bail. Priez les uns pour les autres. C'est pas ce que je vous dis. Prions les uns pour les autres. Au lieu de vous contenter de donner des thèses sur la situation des autres, je viens de vous dire, pliez les genoux. Priez. Et priez pour les gens que vous trouvez qui sont anormaux. Vous savez, il y a des chrétiens infirmes. Hein? Il y a des chrétiens qui ont des malformations spirituelles, des déformations morales. Il y a des chrétiens infirmes. Il y a des chrétiens handicapés. Si vous voyez un chrétien infirme, un chrétien qui a un problème de malformation, un chrétien handicapé, Dieu fait des miracles. Amen. Priez, ben, Dieu, quand il essaye. Mes sœurs, que Dieu nous aide à nous prendre cet engagement. Et je crois que si chaque croyant prenait une telle résolution, si chaque croyant mettait cette résolution en pratique avec persévérance, en la renouvelant chaque fois, mes sœurs, que sa prière a été exaucée, mes sœurs, je crois que nos églises seront des églises bénies. Je pense que si nous prions davantage, le monde, mes sœurs, ne sera pas un obstacle pour nous pour qu'on grandir et nous épanouir dans la foi. Faisons comme cet homme, en conclusion. Esdras. On va lire le texte tout à l'heure, mais cet homme s'est mis à l'œuvre tout de suite, sans se demander quoi que ce soit. Il a analysé une situation, et à partir du moment qu'il a vu que la situation n'était pas la bonne situation, il s'est mis en prière, sans se demander si quelqu'un va le suivre ou pas. Il s'est mis en prière, voyez, sur, quand Dieu nous parle, Dieu ne nous demande pas de nous assurer que nous avons quelqu'un qui soit avec nous pour faire ce que nous avons à faire. Dieu nous demande de faire ce qu'il nous demande de faire. Et devons le faire. Et Esdras, il a fait ça. Que le Seigneur nous fasse, frères et sœurs, faire alors la précieuse expérience, justement, de ce serviteur-là, ainsi que nous allons lire dans ce texte-là, en conclusion, Esdras, chapitre 10, verset 1er. Et il est dit, et comme Esdras priait et faisait sa confession, pleurant et se prosternant devant la maison de son Dieu, il se rassembla vers lui d'Israël, une très grande congrégation d'hommes, de femmes, d'enfants, car le peuple pleurait beaucoup.
Vous voyez, quand Dieu nous sensibilise et que nous nous mettons à prier, Dieu envoie ceux dont nous avons besoin pour faire le travail que nous avons à faire en commun. Mais ce n'est pas à nous de nous préoccuper qui va nous suivre, qui ne va pas nous suivre. Monsieur, Dieu vous a montré quelque chose, faites-le. Parce que c'est Dieu qui vous l'a montré. Je ne vous ai pas dit que quand vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Je vous dis, Dieu vous a montré quelque chose. Pas la même chose, il y a une nuance. C'est deux choses différentes. Ça nous demande de prier, prier et de prier encore. Alors que Dieu fasse de nous, dans notre église, là je crois que nous vivons, des hommes et des femmes de prière. Véritablement, pour cette année que nous sommes en train de continuer, frères et sœurs, il est évident que ce que nous avons besoin, c'est beaucoup de prière. Et quand nous allons comprendre ça, notre église va se tripler. Même si c'est déjà le cas, mais nous voulons que le triplement de personnes qu'il y a déjà soit encore triplé en gros. Prions, prions et ne nous arrêtons jamais. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va se tenir.